Vous avez conclu des centaines d'ententes de plus que l'équipe derrière vous. C'est quoi le secret ? C'est très simple. J'ai moi-même grandi dans une communauté rurale. J'ai conduit des tracteurs, trait des vaches. Il y avait même une usine de chenillettes au village. Un jour, ils ont dû fermer l'usine. Et l'image de la communauté rurale parfaite s'est complètement détruite. On offre à ces gens une chance de sauver leur peau. Je suis heureux de vous annoncer qu'on va bientôt forer des puits de gaz naturel à McKinley. J'arrive pas à croire qu'on vient à peine de quitter la ville. On dirait le Kentucky. Tout ce qui est à plus de 2 heures de la ville ressemble au Kentucky. C'est vous la propriétaire ? Non. Alors pourquoi vous faites tout le travail ? En signant ce bail, vous nous accordez le droit de forer votre terre. Ça vaut une fortune ce qu'il y a là-dessous. Probablement. Combien d'après vous ? Il n'y a aucune raison pour que votre école secondaire ne soit pas modernisée. Combien d'argent est-ce qu'on parle ? Vous pourriez être millionnaire. Je croyais que ce serait plus difficile. En fait, c'est trop facile. Quelqu'un t'a parlé des conséquences environnementales à toi ? Non. Laissez-moi deviner. 40 ans, marié, publicitaire, 2 enfants. 38 ans, sert au bar le jour et danse nu la nuit, mais rêve de percer dans la chanson. Je suis professeur. Non, non, là, je parlais de moi. Bonsoir tout le monde. Je suis ici parce que j'ai perdu ma ferme. Maintenant, ma terre est brune et infertile. Si c'est arrivé à l'un de nous, ça peut tous nous arriver. Les villageois ont décidé de voter dans 3 semaines. Mais vous m'aviez dit qu'il s'agirait d'un simple aller-retour. On va tout arranger, monsieur. J'ai tout de votre compagnie. Je sais ce que vous faites. Vous croyez avoir ce qu'il faut ? Pour vous battre, ouais. Enfin, la voilà. Ça y est, t'es prête ? Ouais. Cette ville, cette vie, tout ça n'a aucun avenir. Vous savez que l'affaire approche, mais vous restez là sans rien faire. On se bat pas pour nos terres, Steve. C'est pour ceux qu'on aime qu'on se bat. Vous avez pas la moindre idée de ce que vous êtes venu m'enlever. Et pour moi, ça rend la chose pire encore. Vous êtes quelqu'un de bien, Steve. Le problème, c'est pas vous, mais ce que vous faites. Notre compagnie vaut 9 milliards. Savez-vous de quoi elle est capable ? Et vous ?